Chers téléspectateurs de 7000 TV, bonjour, bon après-midi ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Nous allons vous faire faire un petit tourisme. Et aujourd'hui, nous sommes en Kondjok. Nous allons vous balader un peu. Allons-y vers la chapelle. C'est parti. Nous sommes en train de grimper les escaliers, comme vous voyez. Apparemment, au-dessus, c'est un sanctuaire. Nous découvrons au même moment que vous. Donc ne nous en voulez pas si on n'a pas grand chose à vous dire. L'objectif c'est de vous montrer pour que vous-même vous voyez un peu. On y va. Nous sommes arrivés. Bonjour mon petit. Oui, viens un peu s'il te plaît. Ça va? Comment tu t'appelles? Ngo Oblandine. Rapproche un peu la caméra. On vient de trouver une petite fille là, elle dit qu'elle s'appelle Ngo Oblandine. Tu vis ici? Oui. Ici on appelle l'endroit, c'est comment? Kondjok. Kondjok. Oui. Et là où on est placé là maintenant, là, c'est quoi ici? La grotte. La grotte, hein? Vous suivez, c'est la grotte. Et qu'est-ce qu'on fait ici? On vient souvent parfois faire le chemin de croix et on s'arrête souvent ici pour prier. Ok. Il y a une école ici à côté. Oui. Il y a une église. Tu peux nous accompagner un peu vers l'église? Oui. L'école est loin? Non. C'est toujours ici à côté. Ok, on commence par où? L'école ou l'église? L'église. On a trouvé notre guide. C'est parti. C'est par où? C'est là? Oui. Ok. Nous sommes toujours sur la route de l'église avec notre guide et mon caméraman assistant, Paul Onobiono. Bonjour. Ok, nous sommes arrivés à l'église. Comment s'appelle l'église là? La paroisse Saint-André. Paroisse Saint-André. Ok. Admirez la construction, c'est super. Nous sommes déjà arrivés à la paroisse Saint-André de Kondjok. Comme vous pouvez constater, nous sommes accompagnés de notre petite guide qu'on a trouvée sur place. Nous la remercions déjà pour sa disponibilité. Nous ne savions pas que nous allons la rencontrer ici. Et tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle le vivre ensemble. Elle a trouvé ses frères camerounais, elle les a écoutés. Et voici qu'elle nous dirige, justement pour que nous puissions vous montrer ce bel endroit. La chapelle, la Saint-André de Kondjok. Nous allons continuer notre périple. Et cette fois-ci, la direction, c'est l'école primaire. C'est parti. Nous sommes déjà à l'école publique, école catholique Saint-André. Voilà les bâtiments, comme vous pouvez voir. C'est ici ton école? Oui. Tu fais quelle classe? Cours moyen 2. Est-ce qu'on peut filmer un peu sa salle de classe là? C'est laquelle? Celle-ci? Oui, c'est... Ok, au niveau de l'arbre là. Ok, monsieur le président, nous avons encore besoin de beaucoup d'écoles en Kondjok pour ses enfants. Nous remercions tout le gouvernement pour tout le travail qu'il a là-bas. Nous avons besoin d'écoles pour ces jeunes. Comme nous avons dit, ceci n'est pas une émission apolitique. Nous profitons simplement de ce moment de tourisme pour pouvoir remercier déjà ce qui est fait et en demander davantage. Ok. On continue notre périple vers l'hôpital maintenant, c'est ça? Ok, c'est parti.
Nous avons terminé notre périple en compagnie de notre petit guide touristique. C'était Maringo, non? C'était qui là? Ngo Umblandine. Voilà. Ça nous a donné soif. On s'est un peu rafraîchi la gorge. Et on consomme camerounais comme vous pouvez le constater. C'est sur ce que nous allons vous dire. Meye Gabé. Et Wawaso. On se revoit à la prochaine. 7000 TV, The Roman officiel.